what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You said my world. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. On est lundi aujourd'hui, c'est parti pour une nouvelle semaine sous la pluie. Mais logiquement, ça devrait s'améliorer pour nous dans le courant de la semaine. Il annonce, alors pas des fortes températures, mais du beau temps. Voilà, et on aura au-dessus de 20. C'est déjà pas mal. Alors, il est... Quelle heure? Il doit être 9h, là. Greg est parti il n'y a pas longtemps. Il fait de journée aujourd'hui. Il fait 9h-17h. Donc, du coup, je suis toute seule, enfin, avec les enfants, toute la journée. Mais j'ai plein de petits trucs que je voudrais faire pour m'occuper. J'ai l'agenda qu'il faut que je dépersonnalise, comme je vous ai dit. Ensuite, il faut que je fais... Le DIY, je suis en train de remplir en même temps que je vous dis ce que j'ai à faire sur mon agenda. Le DIY, je voudrais faire les sacs. Ensuite, j'ai... Là, il faut que je réponde à vos commentaires et que je monte le blog. D'habitude, c'est déjà fait, mais là, comme Greg était là ce matin, on l'a pris cool. On a un petit peu prolongé le week-end. Donc, je vais le faire là maintenant. Je viens de lancer l'aspirateur. Il va passer un bon coup d'aspirateur. Et ensuite, je vais lui demander de donner un petit coup à la maison. C'est pas sale, hein, mais ça a besoin d'un petit coup de frais. Donc du coup, il va le faire pour moi. Ce qu'il y a, c'est qu'avec la pluie qu'on a eu tout le week-end, enfin surtout hier, Marley qui rentre et qui sort, c'est un petit peu plein de petites traces, quoi, en fait. Donc voilà, pendant que moi, je bosse sur le PC, lui, il va bosser sur mon sol. Sinon, au niveau du blessing... Alors les routines, elles sont faites. J'ai juste mon blessing à faire. J'ai mes plantes, mes escaliers à faire. Et il faut que je fasse mon frigo aussi, parce que je ne l'ai pas fait ce week-end. Voilà, un petit peu. Là, je me suis fait couler un café. Je vais arrêter de vous casser les oreilles avec l'aspirateur. Et je vais aller travailler un petit peu, monter la vidéo et puis répondre à vos commentaires. J'ai avancé. Alors, j'ai répondu à vos commentaires. J'ai mis ma vidéo en ligne. J'ai dépersonnalisé la partie du mois de septembre de l'agenda. Là, je suis en train de l'imprimer pour moi. Alors, je me suis mis en objectif d'en faire un mois par jour pour que vous l'ayez pour début septembre, quoi, en fait. Fin août. Mais si j'arrive à aller plus vite, voilà, ça ira plus vite. Voilà, je me suis mis au moins un mois pour être sûre de faire un mois tous les jours. Peut-être que tout à l'heure, j'aurai le temps de faire un deuxième mois. À voir. La maison, elle est nettoyée aussi. L'aspirateur a fait son travail. Ce que je vais faire, c'est que je vais... j'ai fait de mon blessing aussi. Je vais préparer pour mon DIY. Le soleil est sorti. Il a arrêté de pleuvoir. Tout à l'heure, il pleuvait et là, il ne pleut plus. Alors, on y va pour le petit DIY. Je vais aller chercher. En fait, j'ai mon sac à l'entrée. Je vous avais montré que j'avais mis un petit sac en toile de jute. Et je voulais le décorer un petit peu. Et j'ai la marque New Yes qui m'a envoyé leur nouveau petit presse à chaud. Donc, on va l'utiliser ensemble. Je vais vous montrer. En fait, c'est ce petit sac-là que je mets... Ici, là, en fait, dedans, il y a tous mes sacs de course, des trucs comme ça, que je mets dedans. Ça évite d'encombrer là, puis ça sert de déco. Et en fait, je voulais faire une petite inscription dessus, style, je pense que c'est Petit Bazar que je vais écrire dessus. Un petit truc un peu humoristique. Donc, je vais utiliser ma silhouette et on va tester, du coup, la mini presse qu'ils m'ont envoyée. Alors, ça fait comme un mini fer à repasser. Je ne l'ai pas ouvert, hein, on va l'ouvrir ensemble. En fait, quand ils m'ont proposé de l'envoyer, j'ai su tout de suite ce que j'allais faire avec. Je me suis d'habitude, je le fais avec mon fer à repasser. Mais là, comme c'est petit, c'est plus maniable parce qu'un fer à repasser, plus ou moins, c'est gros. Et là, en fait, on peut vraiment faire les petites... mettons, si je veux faire sur des casquettes ou des choses comme ça... c'est plus petit. Alors ça fait une petite presse comme ça, hop. Puis ça fait un mini fer qu'on peut aussi optionnellement embarquer dans sa valise quand on part en vacances. Alors il y a un petit hop, je vais vous baisser pour que vous puissiez voir. Oh là là, il baille ce chien, il est fatigué. Alors il y a un truc, ça doit être un trucage pour poser dessus.
est-ce que ça se met? Je vais regarder s'il y a une notice. Un petit spray. Hop. Un petit pochon pour pouvoir le ranger dedans. Mais je ne pense pas que je vais le ranger dedans. J'ai trouvé ce que je voulais en acheter. Je vous montrerai. Et il y a le petit fer, la petite presse du coup dedans. Alors je vous ai dit, on peut le balader et l'emmener avec nous. Alors je pense que ça se met comme ça, à mon avis. Ou ça, c'est pour mettre au-dessus, je sais pas, ou en dessous. Je vais regarder, hein, je vais lire la notice. Et en fait, c'était livré avec des feuilles comme ça pour faire le transfert. Donc, il nous explique comment on peut faire. Alors, moi, je vais une machine, donc je vais utiliser ma machine. Mais on peut très bien aussi le découper à la main. Vous voyez, si, mettons, c'est des grandes lettres ou quoi, on peut faire avec le découper à la main, avec un cutter ou avec un gabarit ou un pochoir. Alors, regardons. En français... Ouais, donc c'est bien ça en fait, on met le petit truc, hop, comme ça. Et comme je vous ai dit, ça peut servir aussi de mini-fer à repasser, à emmener. Il y a un petit spray aussi. Alors, il y a différentes petites positions. En fait, il peut être la température, on le règle avec le petit bouton ici. Quand on appuie une fois, c'est 120 degrés, deux fois 140, trois fois 160, 480 et 5 200 degrés. Voilà. En fait, il est tout simple, il est tout petit. Mais comme je vous ai dit, ça peut être bien, comme moi, évidemment, si je veux floquer des casquettes ou des choses qui sont plus petites. Mon fer est trop gros. Vous voyez, sur la casquette, sur la visière, enfin, ou même sur, oui, sur le devant de la casquette, mon fer est trop gros, j'arrive pas bien à aller là. Le fait qu'il est tout petit, ben, je veux bien savoir y aller. Donc, on va tester ça. Je vais vous montrer, du coup, je vais vider mon sac et on va floquer ce sac-là. Je me suis aussi acheté un beau sac de course aussi, que je vais floquer aussi. Je vous montrerai aussi, toujours dans mes tons toile de jute. En ce moment, je suis à fond dans la toile de jute. Et du coup, moi, ce petit sac-là, je vous montrerai ce que je vais en faire bientôt. Donc déjà, je vais vider mon bordel. Alors en fait, dans ce sac, je vais mettre tout ce qui est les sacs de course. En fait. Alors, comme je vous ai dit, je voudrais écrire petit bazar dessus. Donc j'ai pris mon logiciel, je l'ai écrit, je l'ai mis dans l'autre sens, pour pouvoir avoir plus de... le faire plus grand, quoi, en fait. Parce que si je le fais dans ce sens-là, je suis limitée à 20. Alors que si je fais dans ce sens-là, je peux aller jusqu'à 27. Enfin, même plus, hein. C'est parce que là, je vais faire sur une feuille. Et j'ai rajouté un tout petit cœur pour faire une petite déco dessus. Donc, je vais pas l'écrire en longueur comme ça, mais je vais mettre écrire petit et en dessous bazar. Et le petit cœur, sûrement à côté de petit dans le coin. Enfin, je vais voir comment je vais le mettre. Donc, là, je vais sortir ma machine et puis découper ça avec la machine. Je vais voir ce que ça donne. Alors je vais tester leur papier. Je sais pas, on verra ce que c'est. J'espère juste pas que ça fonctionne bien. Parce que j'ai déjà testé certains papiers et c'était pas ça, quoi, en fait. Donc là je verrai, c'était livré avec, avec... Alors le seul truc, c'est qu'il faut que j'arrive à voir de quel côté que c'est, quoi, en fait. Alors à mon avis, faut pas que j'oublie de le faire en miroir. Et je pense que ça doit être de ce côté-là qu'il faut que je coupe. Ouais, je pense que ça doit être ça. Alors, j'ai su découper. Je suis mitigée au niveau du papier. En plus, ce qui m'embête, c'est que j'avais pas la... à combien je dois régler ma machine, en fait. Quand je l'achète, d'habitude, je l'achète au comptoir du Flex. Et on a les... comment on doit régler notre machine, en fait. Là, je ne l'avais pas, donc j'ai fait un peu au pif. J'espère que ça ira. Et puis, en fait, le papier a un petit peu bougé dans la machine avec le... Mais ça a été. Ça a été, hein, mais... Alors maintenant, il faut que j'arrive à décoller ça. Je vais prendre mon appareil. Mais ça a été. Mais de toute façon, si vous achetez, c'est plus pour la machine. Hein. C'est plus la machine qu'on va tester plutôt que l'appareil. En tout cas, j'ai bien sur le coupé. J'ai mon petit cœur. On va faire du coup le reste. Je vais découper tout le long en essayant de pas couper dans mon écriture. Super. Alors, je vais tout enlever et ensuite je vous montre le résultat. Franchement, ça va. Ça a été nickel, j'ai bien tracé et tout. Qu'est-ce qu'il y a, Marley? On va aller
tester du coup maintenant si la machine elle va bien et si le flex colle bien. Alors, hop, je vais brancher et en fait vous voyez il y a une LED qui clignote et je pense que donc là c'est la deuxième position. Quand je rappuie, on va être à la troisième. En fait, au plus, comme je vous ai dit, 120, 140 et ainsi de suite. Moi, il faut que ça soit... Donc là, il est éteint. Moi, il faut que ça soit la première position. Voilà, donc j'ai mis ma petite écriture. Je l'ai à peu près centrée. Oups. Alors, une fois qu'il y a température, il sonne. Il bip, en fait, pour vous dire qu'il y a la bonne température. Hop là. Alors, on va déjà commencer par le cœur. Alors, il y a un petit papier, ça fait comme du papier sulfurisé qu'il faut mettre dessus. Et ils disent de presser 10 à 15 secondes. Alors, quand on fait comme ça du flocage, vous voyez, il y a la partie transparente qu'on laisse hein, dessus. En fait, c'est pour ça qu'il faut imprimer en miroir. Parce que, alors, je vais essayer de vous montrer sur celui-là. Vous voyez, j'ai là le floc. Et en fait j'ai le papier transparent qui est dessus. Alors si vous imprimez pas en miroir, vous n'allez pas avoir une vous allez du mauvais sens quoi en fait. Alors et puis là c'est un flex qui se pèle à chaud. Alors pelé, en fait ça veut dire que justement cette partie, enfin à froid, d'habitude le mien que j'utilise il se pèle à chaud, donc une fois qu'on l'a fait on doit tout de suite l'enlever. Là il se pèle à froid, donc en fait ça veut dire que la partie justement transparente on l'enlève quand le... Quand c'est froid quoi en fait. Donc je vais attendre. Mais là ça a l'air de coller. On va attendre juste que ça se décolle, que ça refroidit pour pouvoir le décoller correctement. Mais voilà, ça a l'air d'avoir fonctionné. Du coup en attendant je vais faire le petit bazar. Il a l'air de bien fonctionner. Enfin la machine elle fonctionne super bien. C'est vachement pratique. Et le flex il a l'air d'être de bien fonctionner aussi. Alors là je vais attendre que ça refroidisse avant de l'enlever. Mais franchement ouais. Oui, je suis contente. Ça fait beau. Alors, hop. J'y vais doucement à chaque fois. Mais, ouais, top. Alors, ce que j'aime bien faire, moi, après, c'est repasser un tout petit coup pour bien coller ensuite dessus, mais léger. Hop. Ouais. Alors je remets un petit coup en fait de fer juste pour finir de coller, surtout que là c'est sur de la jute donc il y a tous des petits carreaux donc voilà. Et voilà un beau petit sac. Ouais, c'est chouette. Voilà, je vais pouvoir remettre mes petits sacs dedans puis le mettre dans mon entrée. Alors le sac, c'est un sac que j'avais eu gratuit à Intermarché. En Belgique, souvent ils font des colis. Et là, en fait, ils offraient un sac avec tous des légumes dedans. Un sac en jute, parfait pour ma déco. Du coup, je l'ai plus, pour tout vous dire, je l'ai plus acheté pour le sac que pour les fruits qu'ils étaient dedans. Oui, ben franchement, il est bien ce petit appareil. Il est pratique. Il va être en plus moi mon fer c'est une centrale vapeur donc du coup plus ou moins il faut que j'enlève la vapeur là ben voilà je vais pouvoir essayer de trouver des casquettes sans rien et puis faire des petites écritures dessus ou ouais top. Alors le petit pulvérisateur qui est avec, je pense que c'est si vous vous en servez justement comme fer à repasser, vous pouvez mettre de l'eau dedans et ça vous fait de la vapeur, vous voyez quand il vient le repasser. Voilà, je vais le mettre à sa place. Voilà, je l'ai passé. Il est beau. Il m'en faut peu pour être heureuse. Et voilà, il n'y aura plus qu'à faire mon sac de course. Alors, je vous mettrai le lien du petit fer. Alors, comme je l'ai dit, il est livré avec un paquet de feuilles de flex. Si vous voulez vous amuser aussi à customiser vos petits trucs. Alors, moi, je customise plein de trucs. Hein. Alors, ça, c'est pour faire du flocage à chaud. Donc, vous pouvez faire sur des t-shirts et tout. J'en ai fait déjà pas mal. J'ai fait ma boîte à biscuits aussi avec. Alors, ça, c'est du flocage à chaud aussi. Où il faut presser après avec une petite presse. Des coussins. Ce coussin-là, par exemple, je l'ai fait aussi avec du flocage. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est trop lumineux, voilà. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Si vous aimez bien les travaux manuels. Voilà.
Donc le lien est en barre d'infos. Mon petit sac de course, faut que je trouve l'inscription que je veux mettre dessus. J'ai une petite idée, mais je vais en parler avec Greg pour voir si ça lui convient. Si ça fait... Parce qu'il y a deux mois, il y a des trucs que dans ma tête ça va, mais dans la tête des autres, on n'a pas le même truc, quoi, en fait. Donc du coup, je vais voir si dans sa tête ça match aussi bien que les mois. Allez, je vais ranger un tout petit peu. Et puis... on va faire à manger. Il est l'heure, je pense. Oui, il est midi et demi. C'est midi, c'est repas plaisir des enfants, mais quoi que moi j'aime bien aussi, c'est les gnocchis. En fait, je vais faire cuire mes gnocchis et ensuite, une fois qu'ils sont cuits, je vais les égoutter et dans la même marmite, je vais ajouter une briquette de crème et du gorgonzola. Je vais le faire fondre. Alors, je ne vais pas tout mettre, hein, je vais peut-être mettre la moitié. Je vais le faire fondre et ensuite, je rajoute mes gnocchis et je mélange. Et basta, sel, poivre et ça avec des steaks. Ils adorent les loulous, ils adorent ça. Et comme c'est ce que Greg n'aime pas, il n'aime pas le fromage bleu, donc il n'aime pas le gorgonzola. À petite dose, ça dépend. J'ai une salade avec une vinaigrette à base de gorgonzola et là, il le mange. En fait, ça dépend comment c'est dosé, mais la sauce au gorgonzola, ça passe pas. Et puis, il n'aime pas non plus les gnocchis, il trouve ça trop caoutchouteux. Sauf ceux que je fais maison. Mais ce qu'il y a, c'est que fait maison, c'est super long. Et surtout que moi, il m'en faut une belle quantité parce que comme mes gosses adorent ça, et ben, il en faut une grosse quantité. Donc du coup, voilà, il y a des moments où je joue la flemmarde et je les achète tout fait. On a fini de manger et j'avais envie de faire un gâteau. Donc je vais faire un gâteau. Comme mon père m'a donné pas mal de courgettes, que ma grand-mère m'en a ramené aussi du potager, du coup j'en ai pas mal au congélateur. Je vais tester un gâteau courgettes pépites de chocolat. Alors j'ai déjà deux recettes. Une recette de gâteau au chocolat et à la courgette. Une recette avec au citron aussi. Je vous l'ai repartagée il y a peut-être 15 jours. Qui est vraiment très très bonne. Là, je vais tester de faire un cake à la courgette et aux pépites de chocolat. On verra ce que ça donne. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis... En fait, je suis partie un petit peu sur la recette du 4 quarts. En fait, je vais mettre autant de sucre, autant de... Ouais... Presque, je vais l'améliorer. Enfin, j'ai fait ma petite liste, ma petite recette et je verrai ce que ça donne. Je vous partagerai la recette, si c'est une réussite, en barre d'infos. Donc là, j'ai mis de la farine. Je vous dis pas les quantités parce que, comme à chaque fois, je vais peut-être devoir adapter au niveau des quantités et tout. Donc, je vais éternuer. Pardon. C'est la fève tonka. oui, donc j'ai... qu'est-ce que je disais, je vous dis pas les quantités parce que je vais sûrement devoir améliorer la recette au cours de. Donc si c'est une réussite, je vous mettrai le lien en barre d'infos, il y aura toutes les quantités avec la fiche recette et tout, etc, etc. Donc là du coup j'ai mis la farine, un peu de sel, une pincée de sel, du bicarbonate et j'ai mis de la fève tonka. Je me suis dit qu'avec le chocolat ça pourrait être très bien, ça sent trop bon. Ici j'ai mis le sucre. Un mélange de sucre, en fait sucre blanc et de la cassonade, enfin moi c'est de la vergeoise. J'aime bien en fait l'utiliser les deux comme ça. Ça apporte du moelleux en fait, la vergeoise, et il y a son petit goût aussi qui est pas mal aussi en pâtisserie. Là je vais prendre une courgette, je vais la râper et ce que je vais faire c'est que je vais l'éplucher. Comme ça on verra pas le petit côté vert, ça jurera pas dans la pâte. Du coup, je vous ai dit la farine, les sucres, 200 g de courgettes râpées, 2 œufs. L'arôme vanille, je vais mettre en matière grasse, je vais faire un mélange de crème épaisse et d'huile, justement pour le moelleux que ça apporte à un gâteau. Les quantités comme je vous ai dit en barre d'infos. Hein. Et puis, des pépites de chocolat. Hop, on y va. Alors, je vais mettre dans le robot. De toute façon, si c'est pas une réussite, vous n'aurez sûrement pas cette partie de la vidéo. Dans le robot, je vais mettre mes œufs. Avec tout ce qui est liquide en fait. Je vais mettre les œufs avec le sucre, l'huile. Et je vais tout mélanger jusqu'à ce que ça devienne mousseux. Et ensuite j'ajouterai la vanille et la crème. Alors une fois que c'est devenu, vous voyez, blanc et un peu mousseux, je vais ajouter mon arôme vanille et ma crème. Et je vais remélanger un tout petit peu. Les courgettes, oups, et les pépites de chocolat. On va remélanger un peu. Et on ajoute
notre mélange de farine, bica, sel et fève tonka. Et une fois que la farine est incorporée, on stoppe et on va le mettre dans un moule. C'est dans un moule à cake beurré et on va faire cuire. Je vais commencer par 45 minutes. J'ai fait préchauffer mon four à 180. Voilà, je vais mettre 40 minutes et puis j'ajouterai au fur et à mesure. Je vous dirai combien de temps je fais cuire à la fin. J'en ai profité comme j'étais en train et qu'il me restait de la courgette. J'ai refait un gâteau au citron pavot et en même temps, je ramènerai comme ça demain à mes parents, comme on doit aller demain après-midi pour aller monter le fumoir de mon père. Et ben. Je leur ferai goûter parce qu'à chaque fois, j'ai à ma mère, j'ai mis fais un gâteau aux courgettes quand elle me dit qu'il y a plein de courgettes au potager. Et à chaque fois, elle me dit oui, il faut que je teste, faut que je teste. Donc voilà, là, elle va pouvoir goûter. Et puis je suis sûre, elle sera conquise. Alors, j'ai mes gâteaux qui sont sortis du four. Alors, j'ai l'impression que ça a l'air d'aller. On coupera celui au chocolat tout à l'heure quand il sera froid. J'ai mis juste un petit glaçage sur le dessus, donc un glaçage citron sur le dessus du blanc. Du haut citron et un glaçage au chocolat avec du pralin sur le dessus pour celui au chocolat. Voilà, de quoi goûter pour les prochains jours. Mais comme je vous l'ai dit, je vais sûrement ramener demain mes parents aussi. Bon, allez, comme j'ai un petit peu de temps, que j'ai déjà coupé mon agenda de septembre, je vais aller faire celui du mois d'août. Mois d'octobre. Comme ça, hop, ça sera fait. J'aurai avancé du coup et demain j'en ferai peut-être encore un ou deux. Et ensuite, une fois que tout est fait, comme je vous ai dit, je vous le partagerai. Ah, j'ai fait le mois d'octobre et le mois de novembre. Je vais les imprimer. Les faire pour moi, il ne restera plus que le mois de décembre. Donc il y a des grandes chances que ça arrive très très vite. Et en fait, j'ai regardé pour les vacances, ça posera aucun souci. Parce que. C'est les mêmes zones. En fait, ça commence seulement pour les vacances de février où les zones sont différentes, quoi. En fait, mais autrement, on a tous les mêmes vacances. Donc, c'est cool. Je vous ai pas partagé le menu de la semaine. Je viens de le partager sur Insta. Donc, du coup, je vais vous le partager ici. Il sera en lien en barre d'infos si vous le voulez. Donc, aujourd'hui, c'était les gnocchis. Et ce soir, c'est du rôti de porc fumé qu'on a fait hier au fumoir. Donc, fumé maison. Avec une salade de tomates. Et je vais faire de la ciabatta à l'ail pour aller avec. Demain midi, je fais des cannelloni à la viande avec une salade César. C'est des cannelloni que j'avais acheté, des cannelloni fraîches que j'ai acheté à Intermarché. Et je voulais les tester. Donc, on verra si elles sont bonnes ou pas. Mardi, des tacos à la viande hachée. Le soir, mercredi midi, haricots verts en salade avec des pommes de terre et du thon. C'est un repas que j'avais mis la semaine dernière qu'on n'a pas mangé, donc je l'ai remis cette semaine. Bolognaise maison avec des spaghettis. Ça sent les lasagnes la semaine prochaine, souvent quand je fais des labolo. La semaine d'après, je fais des lasagnes. Jeudi, salade de saumon poêlé à l'asiatique avec une vinaigrette à base de miel et de sésame. C'est une nouvelle recette que je vous partagerai. Stécie voulait tester les tenders style KFC. C'est une recette qu'on a vue sur le MCC. Donc du coup on va faire ça. Tender de poulet avec des deluxe et de la salade. Vendredi je vais faire du bœuf stroganoff à la mijoteuse. On va tester le poulet fumé au fumoir, le poulet fumé maison. Donc on va manger ça avec une salade crémeuse de brocoli au lard et au cheddar. Samedi, steak frites salade. Le soir, j'ai vu qu'à Lidl il y avait les roulés au fromage, les enfants aiment bien. Ça va être un repas parfait pour le samedi si on bouge ou quoi. Il y aura juste à les enfourner. Donc ça va être roulé au fromage avec de la salade. Dimanche, côte de porc à la provençale. Alors c'est pareil, j'ai vu qu'ils étaient en promo la semaine prochaine. En fait, j'ai fait comme la semaine dernière, j'étais en manque d'idées, donc je regarde un petit peu, comme je vais faire mes courses à Lidl, je regarde dans le catalogue ce qu'il y a en promotion. De côte de porc provençal avec des légumes grillés, des grenailles, et le soir c'est pizza maison. Logiquement ça devait être cette semaine, on les a pas mangés, donc je les ai remis à la semaine prochaine. Voilà pour le menu. Donc comme je vous ai dit, tout est en lien en barre d'infos. Les recettes qui sont déjà sur le blog aussi sont en barre d'infos. Ouais, logiquement c'est fini. Regarde, entrée du travail, j'ai coupé le gâteau, franchement. Non. Il est bon. Il a une texture, il me fait penser un petit peu à la texture du pain de chien, le pudding. Voilà, du Nord. Non. Tu vends, chérie? Tiens. Ah bah tiens, Garn, il va être calmé là. Mmh, il fait la fête. Il fait la fête à son maître. Garn, tu vois, il est calmé. Il bave. Il me dit, tu t'es ennuyé? Que t'as fait deux gâteaux?
Non, j'ai eu une journée bien remplie et j'ai pas fini. J'aurais bien avancé aujourd'hui. J'ai pratiquement fini l'agenda, donc du coup, je pense que pour demain, ça devrait être bon. Je vais pouvoir vous le partager si j'ai le temps demain matin de faire le petit article et tout pour pouvoir le mettre sur le blog. Donc voilà, j'aurais eu une journée bien productive aujourd'hui. J'ai fait plein de choses que c'est un moment que je voulais faire. Et du coup, c'est fait. Hop. Bon, bah, je vais pouvoir, je pense, tout doucement préparer le repas pour ce soir. Parce que le fait que Greg a fini tard, comme ça... Ouais, il est déjà 6h30. Il est en train de s'occuper de tout mettre sous vide, les saucisses, le lard et tout. Et franchement, il a bien réussi, encore une fois, le lard. Il est bien... Enfin, voilà, comme il doit être. Hop, donc là, toutes les saucisses, en fait, je les emballe par deux. Comme ça, sous vide, ça se conserve quelques semaines sans souci. Si elles font quelques semaines, avec les gourmands qu'on a à la maison. Et le lard, en fait, on va les couper en tronçons. Comme ça, pour... après, je n'aurai plus qu'à faire des lardons et tout. Je vais vous montrer à l'intérieur. Voilà, lard fumé. Pour faire des lardons. C'est mis sous vide. On a un petit peu de stock. Voilà, ça va aller au frigo, ça se conserve nickel. Il y a fait du filet mignon aussi. Je ne vous ai pas montré, mais l'intérieur, il est nickel aussi. Ouais, il commence à bien gérer le truc. Voilà. J'ai fait le pain à l'ail. Donc, en fait, c'est celui de la ciabatta. Je mets un peu d'huile d'olive et un mélange de persil et d'ail au-dessus. Et ça va aller un petit peu se dorer la pilule dans le four. Et on va manger ça du coup avec tomates, du potager de papa, avec de la feta, un filet de vinaigre balsamique, un petit peu d'huile d'olive, de la fleur de sel et un peu de poivre. Et puis le rôti de porc qu'on a fait hier fumé, qu'on va manger froid du coup ce soir. Le soleil est revenu ce soir, peut-être que... Alors on a eu plus ou moins une journée, enfin ce matin il n'y a plus beaucoup, mais après il a arrêté. Mais peut-être que ce soir du coup on ira peut-être faire un petit plongeon dans le spa, profiter des derniers jours avant qu'on le remballe. Mais bon, souvent c'est fin septembre, hein. On attend pour remballer. Ce qui est demande encore une belle arrière-saison et après on est déçu parce qu'on l'a remballé et qu'on pourrait y aller. Donc qui sait, en plus comme on n'a pas eu d'été, peut-être qu'on aura un été indien, hein. On a fini de manger, petite routine du soir qui est en train de se faire. On va aller promener Marley. C'était très bon, le rôti de porc comme ça, fumé froid. On aurait dû du jambon fumé. C'était vraiment très très bon. En plus, c'est un repas qui va vite du coup. Pratique. Allez, je vais vous faire des bisous, puis je vais vous dire à demain du coup pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. You stole my heart, what is it that you do?